Et plop légende, autour sur Zear Billions. Donc on reprend après une semaine de pause, comme régulièrement. J'ai choisi de prendre les projectiles renforcés parce que les armes mécanisées me semblent très pratiques à avoir, voire même celle-là, mais bon, c'est peut-être abusé. Parce que c'est des grosses tourelles qui lancent des grosses flèches qui font des dégâts de zone. Donc j'ai envie de les avoir. Et que les snipers que j'ai pas mal envie d'avoir aussi, c'est plus cher pour les atteindre. Tant pis, on va viser ça. Je prends pas la barricade alors que j'ai les sous, parce que autant c'est utile, autant je sais pas. Je sais pas. Je les prendrai peut-être. Et on va d'abord essayer encore une fois le col étroit. Et si ça marche pas, peut-être le Cap Tempest. Mais pour le Cap Tempest, j'aurais bien aimé les armes mécanisées. C'est pour ça que je pas tout de suite. Et au pire, les barricades, je pense que ça sera nécessaire si on n'a pas les armes mécanisées pour le Cap Tempest. Donc ça, faut revenir 3 vidéos en arrière et vous savez la lecture du texte. Ça marche peu slow, oui, c'est vrai que les cours, par contre, les écoles ferment pas forcément quand il y a des ponts à faire. C'est regrettable en tant qu'étudiant. Alors toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu... On se met en pause, toi tu vas là. Hop, et vous deux. Si je réussis à sélectionner les deux. Voilà. C'est horrible. Ouais. Horrible, c'est peut-être un mot un peu fort, mais... Mais relou, ouais. Je comprends. Heureusement que j'ai pas cours le samedi. Ouais, par contre, ça ouais, j'ai jamais eu de cours le samedi, et encore... je l'ai jamais réussi, cette mission, c'est ça le souci, c'est une mission de la campagne que je n'ai jamais réussi. Donc là, vu que j'ai fait celle avec le géant la dernière fois, je la retente, maintenant que j'ai des technologies un peu en plus. Voilà. Je la retente, mais voilà. Je n'ai jamais réussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire si elle est... Il y a les mines à faire. Je sais plus si là-haut c'est intéressant. Ici, je sais qu'il y avait un truc un peu intéressant. Là, on pouvait potentiellement mettre deux trucs de bois. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la pierre. Donc on va économiser un peu l'argent au début. Allez. Merci. J'ai plus de nourriture. Non, c'est pas une scierie, c'est une cabane de pêche que je voulais mettre. Ici, ici. On peut pas encore, d'accord. On va d'abord mettre. Quoique, il n'y aura plus de soucis, c'est bon, il y aura des sous. Alors, on va se mettre le plus en bas possible. Ouais. Là, ça ira bien. Mais qui ne nous bloque pas des cases. La petite case qu'on s'en fout, là. On se dit qu'on s'en fout, et puis après, on veut y mettre
un bâtiment et on est un peu dégoûté. Alors, on va mettre en pause juste parce que comme ça on n'aura pas les notifications en 5 fois. Alors ici on avait dit 6 et ici 4 et 4, c'était ça. Hein. Et vu que la carte n'a pas l'air d'être. La carte n'a pas l'air d'être très riche en. En pierre, donc. Enfin en pierre et en fer. Donc autant faire en sorte d'avoir le plus par gisement. Exploiter les gisements au maximum, voilà. On va mettre des maisons. Voilà. On va mettre. On aura quand même besoin d'un peu de bois. Voilà. Les maisons, ça demande du bois, non? Canne de pêche demande de l'or. Produit du bois, on continue, on n'a pas besoin d'attendre le train maintenant à chaque fois. Si le train apporte beaucoup. Le soldier à level up. Nous qu'est-ce qu'on veut? On veut plus de pierre en fait. Donc plus de bois. Elle et elle, ok. Les deux qui travaillent ensemble ne sont pas vétérans. Mais c'est les seuls et c'est pas illogique. Là il faut de la pierre, donc s'il faut plus de pierre il faut de les mines. Mais pour avoir des mines il va falloir... Oui là j'ai 15 mais sinon... Sinon je peux avoir genre 9 et 10 quoi. Le 15 m'empêche d'avoir d'autres mines. Donc on va préférer avoir 19. Parce que ça fait plus que 15, même si ça fait un investissement initial un peu plus fort. Ok, c'est bon. Là. Il faut 32 bois. Non, c'est pas ça. C'est là, il faut 20 pierres.
Donc, on a la caserne. Je sais plus où j'ai qu'elle est là. Au pire, je peux y mettre le truc de recherche ici. Que je crois que je peux le mettre là aussi. On va mettre les casernes par ici. Ou alors on attend que lui finisse. Qui est en trouble? Vous allez ici. Et maintenant, j'ai plein de bois. Donc je vais mettre des murs. Les premiers murs les plus proches de la base, on va dire. Tranquillement, il va nous falloir des gens. Et ici au nord, je n'ai rien mis encore. On va peut-être se mettre des choses ici. Sachant que là, on a. Je vais dire en pause pour les constructions de cabanes. Là, on n'a pas de. Place. S'agrandir, ça va être la mouise. Vous, vous allez où? S'il y a beaucoup de place, je sais pas si je vais au nord, au sud. On avait dit que j'arrêtais d'essayer d'avoir du fer pour avoir des soldiers. Non, ici on va éviter là tout de suite. Ici vous êtes tranquille. Ouais, ça va à peu près. À peu près, hein. C'est qu'ici il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il y a la mine de fer qui, si on l'a, si on l'atteint, on a des soldats qui sont beaucoup plus puissants que les archères. Donc c'est très tentant d'essayer de venir ici. Alors qu'ailleurs, on a de la place, ce qui permet de...
La place, ça permet de s'étendre, de mettre des maisons, tout ça, mais si ça nous donne pas beaucoup de ressources, c'est pas génial. Forcément, on n'a plus de population. Je crois que si je le mets là, ça va bloquer parce qu'il n'y a que la diagonale. Donc je vais pas mettre de maison ici. Ici, non. Ici, ça a l'air bon. Les cabanes de pêche, c'est intéressant pour... C'est 10 travailleurs. Ça a l'air de se placer correctement à peu près. Juste que là j'aimerais bien poser ça pour avoir mes recherches. Est-ce que je pose là? Est-ce que je pose là? Voilà maintenant. Si on pourrait mettre le marché d'ailleurs. Je pense que le marché rentre là-dedans largement. Non, ça. J'ai plus assez de travailleurs, mais j'ai plein de maisons déjà en construction, donc ça va aller. Cher là des rangers, d'ailleurs faut leur dire les cibles les plus coriaces en priorité. T'es un peu toute seule, donner de la compagnie. Ça se passe pas trop mal. Alors ici, on voulait
Oui, les chalets à ferme, ça va être indispensable. Qu'est-ce qu'on voulait? Ça, on l'a jamais construite. De l'énergie. Oh! Je pensais que ça passerait là. Bon, tant pis. On va y mettre une maison alors. Ok, c'est trop près du mur. On va se la faire attaquer. On va prendre le marché. Le marché pour pouvoir rentabiliser toutes ces maisons. La ferme pour pouvoir. Ici c'est dégueulasse. Ici un petit peu, ici un petit peu, ouais. Peut-être prendre la ferme, comme ça on pourra construire tout de suite. Ici par exemple aussi. Comment je construis? Cette. Ouais. Avancer n'importe comment, ça devrait aller. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Je pense que ici, si on réussit à rush jusqu'ici, ça nous donnera de la place pour faire des maisons. Ça a l'air d'être un peu un checkpoint, alors qu'ici, non. Et ici, il faudrait arriver jusque-là, de ce qui est relativement loin. Peut-être attirer un peu trop. Hop. Envie de tumeur, donc tu vas reculer. Là, on prend la Rangers expérimentée parce que ce qu'on veut, c'est que les autres level up. Tant qu'à faire. On veut aussi agrandir la zone. Ici, on s'en fout. They are attacking the colony defenses.
Oula, 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 oula. J'en ai peut-être pris beaucoup, j'en ai peut-être pris beaucoup. Hop, vous, vous venez dans le pack. Vers le pack, il va essayer d'avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, il faut dépenser ses thunes. Le marché. Juste avant que le train arrive en plus. Il faut dépenser ses thunes, absolument. C'est là, genre 32, 42. Là, 42, et là, 34, 36. 36. Hop, la pierre, j'en ai en trop. Une pêche, non. Ça, en vrai, j'en ai pas fait. Ça sera 18. 18 et 14, c'est déjà bien. Si 4... Attendez. Oui, c'est bon. Et puis là, bon, 7, 6, on s'en fout un peu. Non! J'ai laissé la... Ouais, si vous pouvez défendre le... Si ça a l'air d'aller. Est-ce que toi t'es pas bien? Oh non. Je me suis déclenché un petit truc sur la tête, c'est pas grave. Toi, tu vas pouvoir utiliser les sous. Voilà, j'ai plus besoin d'autres technologies, donc c'était recherché assez vite. Ah, c'est juste que c'est trop près. Ah oui, puisque là ça bloque l'accès à la porte, j'avais pas fait gaffe. Et ça, on va essayer d'y avancer un petit peu.
J'ai sûrement attiré trop de monde là. Alors ça va, ici j'ai fait peut-être une expansion un peu trop agressive. Allez, vous en sortez. Non, ça, ça. Non, j'ai masse de thunes, je sais pas trop quoi en faire vu que... Je n'ai pas de place. Dès que je vais fermer ici, ça va me faire de la place. Je peux peut-être commencer tout de suite. Ah si, j'ai oublié le marché. On va faire un marché là. On va voir si on peut mettre des maisons là, non. On va commencer à améliorer les maisons. On va... Il va nous falloir du bois, il va nous falloir beaucoup de bois. Comment ça... Pourquoi t'es dehors toi? Ok, tout va bien. À peu près. Tout va à peu près bien. Il nous faut un mur. Alors, là il y a 9, il y a 16. Après, je vais prendre le 12. Est-ce que là, je vais pouvoir... Quoi ? Hein ? Comment ça se fait là? Je peux pas poser là-dessus. Oh, les deux cases sont pas sélectionnées, ok. Ah, tant pis, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, nous avons une première muraille avancée. Derrière, en parlant de première muraille,
Je crois qu'au début ça commence au nord, ça commence plus ou moins par là. Ils attaquent. Donc on va commencer à se préparer. Vous deux, vous allez rester là en défense au cas où. Et là, au nord, je vais y mettre des défenses tant que je peux. Et ici ça passe. Ça se passe plutôt. Ici aussi on va rajouter Cook. Si on va quand même rajouter une en bas, une tourelle là. Ou deux. Ici j'en aurais bien rajouté mais je crois que ça... être compliqué, on peut en mettre une là quand même. Et ici on n'a pas besoin, faudrait que ce soit plus haut. En fait faut que tu défendes ici toi. Qui est devenu vétéran? Alors, comment ça se passe? Mal, c'était prévu, voilà. Sur... une attaque d'un côté, entraîne une attaque de l'autre. Toi tu vas te mettre là, toi là. L'inverse. Aïe aïe aïe. J'avais jamais trop remarqué que ça attaquait des deux côtés à la fois. J'ai besoin de vous tout de suite. Oh, more
Là, normalement, elle devrait s'en sortir, elle. Ici, c'est la Moïse, par contre. Et ici, c'est la Moïse. Là, on va mettre une là-dedans. Et les deux autres montées, c'est la Moïse. Vous, vous venez là avec vos copines. Alors vous sortez et vous venez là. Aïe, toujours. Bon là c'était vraiment ma faute, j'ai... Oh non, comme d'hab, c'est ma faute. Mais là... J'ai fait. J'ai avancé à. J'ai bien défendu à gauche, mais pas à droite. J'ai essayé d'avancer par le sud, ce qui a plutôt bien marché. J'étais en position de. J'étais en position de. De faire des choses dans la partie sud-ouest. Juste que j'ai pas eu le temps, il y a eu l'attaque, j'ai préféré me concentrer sur l'attaque, mais j'avais la partie sud-ouest. Sinon... Sinon voilà quoi. J'aurais peut-être dû faire une défense. Au lieu d'avancer le sud, avancer les deux côtés au nord, comme ça j'avais une défense plus avancée des deux côtés. Avec possibilité de reculer. Mais même là, même avec plus de défense en fait. Avec plus de défense, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait passé que j'ai pas... J'avais à peine l'armée pour contenir au nord-ouest. Alors j'aurais pas pu contenir au nord-est avec autant d'armées quoi. J'aurais dû avoir plus d'armées. Alors j'ai remarqué plusieurs fois que j'avais pas mal de sous, mais les sous ça veut pas dire que j'avais de la place pour faire des nouvelles cabanes, potentiellement à être un peu plus agressif au sud pour avoir des cabanes plus vite, ou alors être vraiment agressif surtout au nord. Est, ouais, surtout au nord-est pour avoir le fer et du coup faire des soldats plutôt que faire des rangers, puisque les soldats sont quand même vachement plus forts. Du coup, si j'avais eu un peu moins d'unités, parce que je crois qu'ils sont un peu plus longs à produire, mais que c'était des soldats, ce serait peut-être mieux défendu, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'en ayant mis des deux côtés d'ailleurs des barricades, ça aurait aidé. J'ai aucune idée. En tout cas, on va arrêter la VOD là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis
À très vite pour la suite.